Une sonde à tête plate avec un type d'examen musculosquelettique est utilisée pour réaliser une échographie du nerf ulnaire. Le patient est assis avec le bras plié et la main tournée vers l'extérieur. La sonde est placée transversalement sur le pli de flexion du poignet avec le marqueur d'orientation dirigé vers la droite du patient. Le rétinaculum des fléchisseurs encercle les structures du poignet et apparaît comme une structure ressemblant à une bande. La surface hyperécogène claire du semilunaire forme la limite postérieure du poignet palmaire. Les tendons superficiels et profonds du poignet sont visibles sous forme de structures ovales gris clair qui sont hautement sujettes à l'anisotropie. L'artère et le nerf ulnaire sont visibles superficiellement dans le canal de Guyon et à la surface médiale du poignet. Le nerf ulnaire est une structure fasciculaire et alvéolaire elliptique, hypoécogène sombre. Juste une nerf ou tendon fléchisseur du canal carpien aligné sur les trois os carpiens. Le nerf se distingue des tendons par le fait qu'il est moins sujet à l'anisotropie et garde une position constante lors du déplacement de la sonde. Le nerf doit conserver un diamètre constant lors du déplacement distal de la sonde dans la main. La sonde doit être centrée sur le nerf médian. Le nerf médian apparaît comme une structure fasciculaire qui repose sur les tendons fléchisseurs apparents similaires. Il peut être demandé au patient de plier le majeur et l'annulaire pour entraîner au mouvement des tendons et les distinguer du nerf qui les recouvre. Le nerf médian doit être étudié pour s'assurer de l'absence d'édème qui rendra le nerf plus hypoécogène et enflé, ce qui peut se produire de façon proximale à la compression.